Qu'est-ce que tu fais là? T'es lassé de vivre, c'est... C'est tout ce que tu as dans le ventre? Donnez l'alerte! Attention! Alerte! Et reprends des forces! Déjà essoufflé. Amène-toi. Joli coup. Bon, on va le payer. Ouais. Abandonné. Merde, laisse-moi. Ça suffit. Ma foi, tu n'es pas dénué de talent. Je rêve où il y a quelque chose sur le sol. Ça alors? Oh! Vivant! Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je suis là sur ordre de l'Hetman Royal, le seigneur Radzik Kobila.
Et lui ? Ça, ça ne vous regarde pas. Je suis sûr qu'on peut finir par s'entendre. J'ai plein d'argent. Pour commencer, on peut s'entendre sur le fait que vous fermiez votre gueule. Désolé, il n'y a rien de personnel. Stop ! Quoi ? Vous voulez le faire ? Je vous en prie, moi, je n'en tire aucun plaisir. Vous ne pouvez pas le tuer. On m'a donné l'ordre de le ramener à Ratin. C'est regrettable. Mes ordres m'obligent à exécuter quiconque sera lié à ce trafic. Vous ne pouvez pas ! Je n'ai pas le choix, et vous le savez. Pourquoi voulez-vous le tuer ? Si ça se trouve, il est en possession d'informations précieuses. C'est bien le problème. Mon maître ne veut pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, notamment celle de Radzik Kobila. Vous pouvez dire à votre seigneur qu'il est mort. Il n'en saura rien. Un jour ou l'autre, si. Vous pensez pouvoir enfermer cet homme jusqu'au jugement dernier ? Pourquoi pas ? Ne soyez donc pas naïfs. Regardez autour de vous. Ici et maintenant, les taupes et les rats sont partout. Il n'y a pas un seul secret qui ne soit pas en vente. Si je vous le confie, ma tête sera plantée au bout d'un pic avant la fin du mois. Vous n'êtes pas obligé de retourner chez les Rosenberg. Comment connaissez-vous ce nom ? Maître Feffar a reconnu l'écriture sur votre sauf-conduit. Comme je le disais, nous ne sommes jamais à l'abri des regards indiscrets. Et que me conseillez-vous ? D'entrer au service du seigneur Radzig ? Il lui faut des personnes comme vous. Moi au service de Kobila ? Hors de question. S'il découvre tous les services que j'ai rendus au Rosenberg, il me fera pendre au premier arbre venu. Mais vous avez raison, rien ne m'oblige à retourner auprès des Rosenberg. Tout m'en empêche d'ailleurs. Pourquoi ? Je suis un chevalier sans appartenance. Nul n'est censé savoir sous quel ordre je suis. Si les Rosenberg apprennent que j'ai été démasqué, ils voudront que je disparaisse. Ils ne peuvent se permettre de voir leur nom m'être associé. Où comptez-vous aller ? Là où la route me mènera, comme elle l'a fait à bien des reprises. Adieu, Henri. Auf Wiedersehen. Je vous en prie. Nous pouvons trouver un arrangement, c'est certain. Parlez tout votre sou, mais pas ici et encore moins à moi. En route. Allons-y. Maître Feffar est très impatient de vous voir. Beau travail, Henri. Merci, Maître Feffar. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Je vais passer les lieux peigne fin avec mes hommes. Et moi, je fais quoi ? Reposez-vous, puis allez à Ratin. Pendant ce temps, Radzig fera interroger ce misérable. J'espère qu'ils vont en tirer quelque chose. D'accord. On se revoit à Ratin.
Le voilà. Bravo, Henri. Merci, Seigneur. Je te dirais bien de prendre un repos bien mérité, mais j'ai malheureusement besoin d'une dernière chose. Vos désirs sont des ordres. Jezek refuse de nous adresser la parole. Cette tête de mule demande à te voir. Moi ? En effet. En temps normal, j'enverrai le capitaine Bernard pour lui arracher les informations par la force. Mais puisqu'il te réclame... Je vais essayer d'obtenir des révélations. Où est-il ? Je l'ai fait enfermer dans la tour. Bernard va te remettre les clés. Fort bien, Seigneur. Bonne journée à vous. Que Dieu vous accompagne. Il me faut la clé de la geôle de Jezek. Alors il est parvenu à ses fins avec le seigneur Radzig. Il aurait dû me laisser lui flanquer une belle dérouillée pour obtenir des réponses. Ne le prenez pas mal. S'il veut me parler, c'est parce qu'il pense réussir à me berner. Mais il se trompe sur toute la ligne. Évite de faire empirer les choses. Voici la clé. Merci. Adieu. Je me suis occupé. Tu en as la preuve ? Voilà. Selon toute vraie... Merci, capitaine. Mais tu ne vas pas... Très bien, capitaine. Je m'y rends de ce pas. Tu m'en... Que Dieu vous accompagne. Que Dieu te protège, Henri. Comment t'allais ? Comment ? Prenez soin de vous.
J'espère pouvoir... Prenez soin de vous. J'ai du pain de ce matin. Il est frais, mon pain. Bien le bonjour. Bon sang. Attention, vous marquez. Hé hey, à quoi vous jouez, bon sang? C'était quoi ce bruit? Ah. Hé hey, Henri est passé nous dire bonjour. Il était temps. L'attente fut longue. Pourquoi préférez-vous me parler à moi plutôt qu'aux autres? Vous m'avez amené ici. Prenez ça comme un honneur. Si vous trouvez que passer son temps dans un donjon humide avec un condamné est un honneur... Vous ne voyez pas le bon côté des choses. Vous pouvez être celui qui met au jour une conspiration contre le roi. Ce n'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion. Mais il m'a quand même traversé l'esprit que je pourrais obtenir certaines garanties contre ma coopération. Après tout, je suis celui que le margrave a expulsé de Moravie en me déclarant injustement fléau du pays. Ils ont même fait raser mon magnifique château. C'est par besoin de gagner ma vie que j'ai dû prendre certaines libertés. J'imagine qu'il y a un fond de vrai. Le seigneur Radzik pourrait fort bien vous gracier. Mais d'abord, vous devez tout nous dire. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais me montrer docile. Je veux surtout connaître l'identité du commanditaire. Pour qui fabriquiez-vous ces contrefaçons? Vous croyez que je n'étais pas capable de tirer les ficelles? Sans vouloir vous insulter, ce n'est pas le travail d'un seul homme. Soit. Tout a commencé alors que j'étais sans le sou, comme toujours. Je me suis fait embaucher par des rabatteurs à Sasso. Embaucher? Pour faire quoi? Je n'ai vraiment pas demandé. Dans ce milieu, mieux vaut ne pas poser trop de questions. Quand ils se sont rendus compte que je n'étais pas n'importe qui, ils m'ont confié la gestion des contrefaçons. Un étranger du nom d'Eric m'a donné ses directives. Mais je peux vous assurer que ce n'était pas lui le chef.
Il y a aussi quelqu'un de très haut placé au sein du monastère qui trempe dans cette affaire. Mais j'ignore de qui il s'agit. Comment avez-vous entendu parler de cette affaire ? J'ai croisé de vieux amis à Colline il y a quelques mois. Ils m'ont dit qu'ils prenaient la route pour Saint-Saud, où l'on rassemblait des troupes armées, et qu'ils engageaient qui voulait. De vieux amis ? Qui donc ? Oh, de simples criminels. On détroussait ensemble les messagers du margrave en Moravie. Sympathique camarade. J'étais en conflit avec ce margrave. Dans ma situation, on ne choisit hélas pas ses amis, vous savez. Et ensuite ? Rapota et moi, ça faisait un mois qu'on se nourrissait de croûtons rassis. Alors je n'allais pas refuser un travail, honnête ou pas. Nous nous sommes rendus à Sasso pour rencontrer les rabatteurs. Ils ont vite compris que je n'étais pas un vulgaire paysan, mais un noble qui avait connu quelques déboires. Vous pouvez en venir au fait ? Eh bien, ils m'ont présenté à cet Eric, qui a expliqué ce qu'il attendait de moi. Il fournissait l'atelier, les hommes, le matériel, tout. Des rabatteurs ? Vous me dites que cet Eric recrute des hommes armés à Sasso ? On dirait bien. Je donnais à ces rabatteurs des pièces pour ça. Les fausses, bien évidemment. Comment puis-je faire pour remonter leur piste ? C'est chose compliquée. Ce sont mes amis qui m'ont présenté à eux. On s'était donné rendez-vous dans les bois en dehors de Sasso. Ça concerne encore et toujours qui vous savez. Vous me dites leur avoir donné de l'argent. Où ça ? Ils venaient me visiter à la galerie. Je doute qu'ils y soient encore. Si vous le dites. C'est Eric. Vous dites que ce n'est pas lui le responsable. Il se donne des airs, mais ce n'est qu'un jeune loup naïf. Il ne fait que parler de son seigneur, même s'il ne l'a jamais évoqué par son nom. Où puis-je trouver cet Eric ? Vous aviez un point de rencontre ? Il arrivait souvent à l'improviste à l'atelier. Et vu ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'il reviendra un jour ici. Cette personne haut placée du monastère, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? J'ignore son identité, mais ce n'est pas un petit poisson. Après tout, c'est lui qui règle les échanges de contrefaçon. Je vois. Vous avez autre chose à me dire à son sujet ? Non. C'est lui qui devait me fournir le matériel, mais il s'est ravisé. Selon Eric, il s'est dégonflé. Ce sera tout pour le moment. Vous pouvez glisser un mot pour moi au seigneur Radzig ? Je suis prêt à lui prêter allégeance. Je n'en peux plus d'être un renégat. Je peux essayer, mais je ne vous promets rien. Alors, qu'as-tu découvert ? Toutes sortes de choses. Les faux monnayeurs sont dirigés par un étranger, un certain Eric, ainsi que quelqu'un de haut rang dans le monastère. Le monastère ? Vraiment ? C'est ce que prétend Yézek. C'est donc pire que je ne croyais. S'il dit la vérité, il va falloir agir avec une extrême prudence. Pourquoi ? On ne pourrait pas tout simplement se rendre au monastère pour mener l'enquête ? Non. Si l'Église est impliquée, nous n'avons aucun pouvoir. Alors, que faire ? Je dois y réfléchir. Ça ne sera pas chose aisée. Je dois me concerter avec Anouche. Et c'est Eric. Qui est-ce ? Je l'ignore, mais en ce moment même, il recrute des hommes pour lever une armée. Peste ! On dirait bien que Pribislavis n'était que le commencement. J'en ai bien peur. Et de plus, le seigneur Yézek est persuadé qu'Eric n'est qu'un intermédiaire, et que quelque chose de plus grave encore se trame. Tu devrais retourner à Sasso pour te pencher sur ces recruteurs.
S'ils doivent attaquer, il faut qu'on le sache plus tôt que la dernière fois. Ce sera plus complexe qu'il n'y paraît. Le seigneur Yezek ne les connaît pas et n'a pas la moindre idée de comment les trouver. Il faudra bien y parvenir d'une manière ou d'une autre. Tu ne vas pas me dire qu'une armée se lève sans que personne n'en sache rien. Je ne sais pas trop par où commencer, seigneur. Alors va voir dans les tavernes et autres auberges, ou à l'hôtel de ville. Quelqu'un a peut-être entendu des rumeurs. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut taire. Quoi que tu fasses, Henri, prudence. Et mieux vaudrait que tu n'attires pas l'attention en mentionnant mon nom. L'idéal serait que les rabatteurs te prennent pour un simple paysan qu'ils peuvent attirer dans leur bande. Entendu, seigneur. Je vais essayer de m'intégrer. Je sais que je t'en demande beaucoup. Mais je sais aussi qu'il n'y a personne de mieux placé pour me rendre ce service. Seigneur, une dernière chose. Si le seigneur Yezek m'a accompagné sans résistance, c'est parce que je lui ai promis que vous pourriez conclure un accord, tous les deux. Oh, jeune homme, voyons. Tu fais des promesses en mon nom. Ce pourrait être une catastrophe pour tous les deux. D'un autre côté, si ça peut éviter un bain de sang, nous pourrions fort bien trouver un terrain d'entente, après tout. Pour l'instant, je réserve mon jugement. Quant à toi, il est temps de partir. À vos ordres, seigneur. J'espère pouvoir vous offrir mes impôts. Bailli, si je peux me permettre, j'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous eu des ennuis dernièrement? Pourquoi cette question, au juste? Il y a eu des plaintes? Qui vous envoie? Non, personne ne s'est plaint, même si j'aimerais bien savoir ce qui vous fait dire ça. Je viens de la part du seigneur Radzig. Une rumeur circule selon laquelle des individus peu recommandables se terrent dans les parages. Sauf votre respect, qu'est-ce que Messire Radzig vient faire là-dedans? Le seigneur Sébastien m'en rebat les oreilles lui aussi. Et il n'a pas plus son mot à dire. Entre l'auberge et les grands chemins, bon nombre de voyageurs doivent venir chercher du travail, dont quelques crapules parmi eux. Ouais, c'est vrai. Il y a eu quelques incivilités qui se sont révélées difficiles à contenir. C'est arrivé dernièrement? Non, c'était assez calme ces derniers temps. Mais maintenant que j'y pense... Non, je ne me rappelle pas avoir croisé quiconque du genre. Personne qui cherche du travail en tant que soldat ou garde du corps? Oh si, ça y en a toujours par ici. Mais quand ils ne trouvent rien, ils rebroussent vite chemin. Le seigneur Sébastien? C'est qui celui-là? Sébastien, le baron von Berg. La législation du monastère l'a chargé de nous protéger des troubles qui agitent le pays. Pourquoi se préoccupe-t-il de la ville? Elle n'est pas sous sa juridiction? C'est bien vrai, elle est sous la mienne. Mais il ne cesse de me dire qu'il y a des assassins qui se cachent dans les parages et que je devrais me montrer plus vigilant. Quel culot!
J'ai entendu dire que certains recruteurs allaient se réunir à Sasso. J'ai donc pensé qu'ils pourraient se mettre à semer la pagaille et que les villageois allaient se plaindre. Vous pensez que les gens se plaignent que je fais pas mon travail? Rien de tout ça. Le vieux Lederman est le seul à venir pleurnicher. Mais j'y prête pas attention. Et de quoi ce Lederman se plaint-il au juste? C'est le tanneur de la ville. Il vit près de la carrière, l'endroit où des genoux vont se bagarrer. Ils vont là-bas pour se battre et ça ne vous dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Il vaut mieux se castagner là-bas qu'à la taverne. Au moins, ils peuvent se démolir les uns les autres sans rien abîmer. Et certains de mes huissiers s'y rendent parfois pour veiller au grain. Vous avez entendu parler d'étrangers au village, voire d'énergumènes louches? Rien de particulier. On parle sur le dos du meunier. Les gens disent qu'ils l'ont aperçu faire ci ou ça, ou qu'il reçoit des visites la nuit. Mais il a jamais rien fait. Il m'a l'air d'être un type bien, en tout cas pour un meunier. Je vais aller lui demander s'il sait quelque chose. Il vit de l'autre côté de la rivière, près des marais. Mais vous faites pas trop d'illusions. Peut-être qu'il sera pas en mesure de vous aider. Merci, Bailly. Au revoir. Ça venait de par là. Hey, pour qui vous vous prenez? Fichez-moi le camp d'ici. Oh. Qu'est-ce que vous manigancez? Sortez ou j'appelle les gardes. Au sang, qu'est-ce que le chat a encore fait? Que diable! Hey. Idiot vieux cabot. Je suis à votre... Tanner, on m'a dit que vous aviez des problèmes. Ça va mieux maintenant. J'ai dû avaler un sale truc. Non, je ne parle pas de ça. Vous êtes allé vous plaindre que des voyous faisaient du tapage derrière chez vous. Ouais, c'est vrai. Ceux-là, alors, quelle plaie. Quand je suis allé leur dire d'aller voir ailleurs, ils ont failli me mettre en charpie. Si vous voulez, je vais m'en occuper. Eh bien, vous semblez pouvoir déplacer des montagnes. Mais ils sont plusieurs, et vous êtes seul. On pourrait arranger calmement les choses. C'est vrai, ils n'oseront peut-être pas se mesurer à vous. J'arriverai sûrement à les raisonner. Il n'y a pas besoin d'en venir aux mains. Eh bien, bon courage, jeune homme. Et si vous y parvenez, n'ayez crainte, vous aurez une récompense. Au revoir.
Salutations, noble chevalier. En quoi... Qu'est-ce qui s'est passé avec le tanneur ? Je n'étais pas là quand les choses ont dégénéré, mais les autres, oui. Va leur demander. Bonne chance, alors. Votre visite m'honore. Que s'est-il passé avec le tanneur ? Rien de particulier. Il est passé tester sa force comme les autres, mais il n'a même pas réussi à venir à bout du jeune Paivol. Puis il s'est mis à pleurnicher pour récupérer son argent parce que soi-disant on l'avait piégé. Alors on l'a jeté dehors. Il est revenu ensuite plusieurs fois pour se plaindre des cris et nous ordonner de quitter les lieux. Ce que vous n'avez pas fait. Non. Quand il est devenu vraiment agaçant, on lui en a collé une et il n'est pas revenu depuis. Il n'ose plus, mais il continue à ouvrir sa bouche. On m'a dit qu'on cherchait des hommes prêts à faire tout et n'importe quoi. Est-ce que tu en sais quelque chose ? Tout et n'importe quoi ? Ce qui veut dire ? Des trucs qui montent comme filer un coup de main à l'écarisseur ? J'en sais rien. Va demander ailleurs. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais bon. À la prochaine. Je cherche du travail et on m'a dit que quelqu'un recrutait des hommes qui n'ont pas froid aux yeux. Ça te parle ? J'ai entendu dire qu'on cherchait un nouvel écarisseur. Alors, si la merde et les carcasses ne te font pas peur... Merci, sans façon. Je cherche quelqu'un qui recrute des mercenaires et autres combattants. Ah, eh bien, tu en sais plus que moi. C'est le tanneur qui m'envoie. Il dit que vous faites du raffut la nuit, et je viens ici pour vous convaincre d'arrêter. Ces pleurnicheries ont enfin trouvé une oreille attentive, c'est ça ? Bon, écoute, que je t'explique. Je suis l'un des hommes du bailli, et on ne fait rien de mal ici. Le vieux Lederman couine depuis qu'il a perdu une partie de son argent. Auparavant, ça ne le dérangeait pas tant que ça. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Évidemment. Sinon, personne ne lui viendrait en aide. Va demander aux autres. Ils te diront la même chose. C'est la pure vérité. Je veux bien te croire sur parole, mais qu'est-ce que je dois faire du coup ? Selon moi, tu as deux possibilités. Soit ce vieux menteur va se faire voir, soit tu te salis les mains. Je vois une troisième possibilité. Ah bon ? C'est-à-dire ? On peut pigeonner cette pince. Je lui dis que je me suis occupé de tout et vous évitez de vous pointer pendant quelques jours avec vos camarades. J'aurai une récompense qu'on pourra partager et vous pourrez revenir plus tard. C'est tout bénef. Ça me plaît bien, ça, comme idée. Qu'il aille au diable, le tanneur. On se planque quelque part quelques jours et on revient une fois que tu as les sous en poche, d'accord ? Si je veux participer, qu'est-ce que je dois faire ? C'est très simple. Tu dois d'abord battre pas... Donc... Au revoir. Que Dieu vous... J'ai entendu dire... Non, mais je... Bonne chance, alors. Que Dieu vous a... On m'a dit... Possible. On m'a dit... Possible. Je travaille à la carrière et ils cherchent constamment des bras supplémentaires pour remplacer... Ce n'est pas ce que je voulais. Prenez soin de vous. J'ai en... Si je savais... En garde. Oh là, doucement. À la prochaine. En garde. Pas si vite. Bon, je reviens tout de suite. Prenez soin de vous. C'est parti. Allez. À la prochaine. Ah ! Don't pitch it. En garde. Tu t'es bien débrouillé. On verra. Que Dieu vous accompagne. Ah!
En garde. C'était bonne chance alors. En garde. À la prochaine. Tu as du ciel. Manqué. Je veux ta... C'était un beau... Bonne chance, alors. Je ferai... Malédiction. Prenez soin de vous. Pourquoi ? Parce qu'il en fait. On m'a dit possible. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On aurait dit... Hé ! Qu'est-ce que vous manigancez ? Sortez ou j'appelle les gars. Sainte Mère de Dieu. Qu'est-ce que vous... Rien de... Tu es plutôt doué, je ne t'en croyais pas capable. Tu t'es bien débrouillé, je dois l'admettre. La plupart ne passent pas cette étape. Alors je tenais à te dire une chose. Quoi donc ?
Il y a des gens par ici qui cherchent des hommes forts. Et je dirais que tu fais l'affaire. Si tu te balades en ville ce soir et qu'il y a de la lumière dans l'église, entre et patiente. Si tu leur plais, il se peut qu'ils te donnent du travail. Merci, je vais y réfléchir. Prenez soin de vous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Hein ? Alors, comme ça on nous cherche, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai entendu dire que vous recrutiez des hommes qui n'ont pas peur de se salir les mains. Ah bon ? T'as entendu ça où ? Dans les tavernes. Les gens cancanent. Ça, d'accord. Mais c'est pas dans une taverne qu'on t'a dit de venir nous attendre ici, pas vrai ? Alors, qui a vendu le morceau ? Je ne me souviens plus de son nom, mais c'était l'un de vos amis. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'emmener directement à vous, que je devais passer par l'église. Il a eu raison. Mais il en a dit plus que ce qu'il aurait dû. Je sais ce que je fais. Vous n'allez pas le regretter. Trêve de bavardage. On t'a préparé un test. Au lieu de te jeter des fleurs, montre-nous plutôt comment tu t'en sors. De quoi il s'agit ? Rien de très compliqué. Avant, on enrôlait tous ceux qui pouvaient garder la tête froide, mais plus maintenant. À présent, on ne peut s'intégrer que si l'on fait ce qu'on te dit de faire. C'est-à-dire, voler un truc ? Non, pas de vol. Si tu veux nous rejoindre, tu vas devoir tuer Pi. Qui est ce Pi et pourquoi je devrais le tuer ? Ça ne te regarde pas, mais je vais quand même te dire pour ton édification personnelle. Pi était l'un des nôtres, mais il nous a trahis. C'est-à-dire, il vous a volé ? Ouais, notamment. Il a volé de l'argent, il s'est enfui et des gars y sont passés à cause de lui. Il a montré un manque flagrant de loyauté. Tue-le et tu pourras nous rejoindre. Je dois d'abord le trouver. Non, pas la peine. On sait déjà où il se cache. Alors pourquoi vous ne l'avez pas tué par vous-même ? C'est là le hic. Il se cache dans un monastère. Avec les palefreniers, ce n'est pas difficile d'y pénétrer. Non, sans quoi il serait déjà mort depuis longtemps. Il est dans le cloître ou je ne sais quoi. Mais seuls les moines peuvent entrer. Ah, seuls les moines et Pi. Ce salaud est instruit. Il aurait dû être prêtre, mais ça a raté au dernier moment. Et comment vous voulez que je m'introduise dans le cloître ? Tu vas bien trouver. Il y a peut-être un passage secret. On dit qu'une grotte se trouve en dessous, la grotte de Saint-Procope. Il y a peut-être moyen d'y accéder de l'extérieur. Et, mis à part des passages secrets, vous avez d'autres idées ? Y a un type qui traîne dans les tavernes, qui doit bientôt rejoindre le monastère. Il pourrait être utile d'une façon ou d'une autre. Si j'étais toi, j'irais lui parler. Et s'il refuse de collaborer, fais-lui son affaire et fouille-le.
Il doit bien avoir une lettre d'admission ou quelque chose dans le genre. Enfin, de quoi te faire passer pour lui. Un meurtre dans un monastère? Vous êtes fou? Un meurtre est un péché dans tous les cas. Le lieu n'y change pas grand-chose. Bien sûr que si. Je vais verser du sang dans un lieu sacré. Alors, t'as qu'à l'assommer, l'emmener dehors et l'achever dans un lieu qui ne l'est pas. Tant que tu l'élimines, tu peux bien faire ça où tu veux, moi je m'en fiche pas mal. Et vous n'avez pas d'autres tests? On ne cherche pas des palefreniers. Ce qu'on veut, c'est des types qui sont prêts à tout, y compris à des missions pas évidentes. Et combien d'hommes ont déjà été envoyés? Une poignée, pas plus. Ils ont fini comment? Pendus? Le premier, oui. Les autres ont tourné les talons. J'imagine qu'ils n'avaient pas la carrure. Comment je vais savoir qui est Pi? Il n'est pas là depuis longtemps. À part toi, ce sera le seul novice. Et s'il y en a d'autres, il ressemble à quoi? Que dire? Il était toujours bien habillé et il avait une très belle dague. Oui, sauf qu'on va lui donner une robe et lui prendre son couteau. Alors tu devras découvrir lequel c'est et faire en sorte qu'il se trahisse. Tu peux toujours lui mettre une cuite pour mieux l'envoyer en enfer. Le faire boire? Dans un... Il n'y a... D'accord. Donc, je dois tuer Pi, qui se trouve au cloître, et pour y pénétrer, je dois demander l'aide d'un jeune homme qui entre dans les ordres. C'est ça? Plus ou moins. Et le plus important? Le plus important, c'est de le tuer, non? Bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Un meurtre au monastère, ça va faire un esclandre. Alors fais en sorte que personne ne le trouve, ou file de là au plus vite une fois le travail accompli. Mais c'est toujours mieux si on ne le trouve pas immédiatement. Et ensuite, quand c'est fait, je reviens ici? Non, non. Avant de disparaître, prends son dé comme preuve de son assassinat. Et si tu arrives à lui faire dire où il a caché l'argent, rapporte-le aussi. Le dé et l'argent, si je mets la main dessus. Et où je vous apporte ça? Sors du monastère et franchis la rivière vers l'est. Tu trouveras un marais avec un trou pour le feu. Vas-y de nuit et allume-le. Fais-le assez grand pour qu'on le voie. Apporte le dé et l'argent et je te dirai quoi faire ensuite. C'est bien compris? Oui. Je dois me faufiler dans l'endroit le mieux gardé de tout le pays pour tuer quelqu'un, prendre son dé et son argent, puis aller au marais attendre près du feu. Ouais, c'est à peu près ça. Eh bien, vous pourriez au moins réciter quelques prières pour moi. Je vais en avoir besoin. Et n'oublie pas qu'on veille au grain. Alors n'essaie pas de t'enfuir, d'accord? Prenez soin de vous.